Stop, excuse-moi, tu par écrit, hein. On est encore quelques jours. Le président Martin et ma pomme, nous nous réservons pour l'écrit à défaut de l'oral. Car le temps nous manque si nous continuons. Nous allons manquer notre ami Bernard Charpentier qui va conclure cet après-midi passionnant. Merci beaucoup, messieurs les présidents, de m'avoir invité, en tant que, entre guillemets, vieux président de la société francophone de transplantation. J'ai succédé à Bernard Monnoir, qui est ici, et c'est Yvon Le Branchon qui m'a succédé, quant à présent de l'ESOT. J'ai succédé à personne et personne ne succédera, malheureusement. Le titre m'avait beaucoup interviewé, c'est la notion d'égalité d'accès à la greffe. Et je me suis souvenu d'une phrase qui dit que les Français sont pragmatiquement au moins de niveau. La liberté ne les intéresse pas. Seule l'égalité les assigne, et il y a des liens secrets entre l'égalité et despotisme. Qui sait, Chateaubriand, mémoire de tombe. Donc sur un plan pratique, d'abord je voudrais rappeler l'objectif raisonnable, et avant d'en parler, une académie se doit de donner, entre guillemets, crédence à ceux qui l'ont beaucoup aidé, et en particulier les veillants de la transplantation, parce que la transplantation ça se passe les week-ends, ça se passe pendant les vacances, ça se passe le jour de Noël, et il y en a comme ça 13, vous voyez, ils sont tous rappelés. Alors il y a des photos qui les rajeunissent beaucoup, et c'est bien. En tout cas, ça représente presque 10% des 135 titulaires. Donc la transplantation est bien représentée, tous les organes, vous voyez, alors de beaux lieux avoués, à la fois cœur, rein, etc. La deuxième chose, c'est que ces gens voient loin parce qu'ils sont assis sur des géants, et vous voyez ici deux géants, hein, Tom Starzl, et puis bien sûr le grand René Cus, ancien président de l'Académie. Moi, je suis le nain qui est au milieu. Et je n'oublie pas non plus un autre géant, qui est Christian Cabrol, ici. Excusez-moi. Voilà. Et je n'oublie pas ici un petit interne, vous voyez, qui est au deuxième rang, qui est Iraj Danjbak, qui a quelques années, qui a fait une carrière absolument remarquable, et qui est donc, comme vous le voyez, juste ici, Iraj. Il a quelques années en arrière, entre guillemets. Alors, juste, je voulais revenir à ce que vient de dire Jean-Pierre Scotti, en particulier cette courbe brutale qui vient de greffe de vie, c'est l'évolution des courbes entre les gens en attente et les gens transplantés. Pas besoin d'avoir fait aspect à Will Grand pour savoir que la dérivée est tout à fait différente entre ces deux courbes et qu'on est passé une différentielle, vous voyez, à peu près de 2500 malades aux alentours des années 94, et maintenant il y a 18 000 malades en attente en général. Donc c'est à 2600 personnes en danger quelque part, et 200, il y a 400, 500 malades qui meurent sur liste, alors bien sûr pas forcément un, mais un foyer en cœur. Quand on voit ça, et qu'en fait on va vers de l'asymptote, jusqu'où va-t-on? Jusqu'où va-t-on? C'est ça le vrai problème, et qui est posé à la société et à nous tous. Alors je voulais simplement remercier donc les orateurs et résumer juste un truc, c'est-à-dire qu'en fait l'historique en France, on était plutôt des transplanteurs d'origine cadavérique, entre guillemets. Vous voyez qu'on était à l'époque dans les années 70 quand j'ai commencé, 95% de donneurs cadavériques et 5% de donneurs vivants. Et puis le Japon, eux, c'était différent parce que la religion Shinto fait qu'on ne prélève pas de cadavres, c'était 100%, 0%. Tout le monde en donneur vivant. Aux États-Unis, c'était plutôt 50-50. Et puis il y a eu un long équilibrage en 2018, vous voyez qu'on est maintenant à 85% en cadavérique et 15%. Bien sûr, on donne un vivant. Et puis au Japon, on reste toujours 100% de donneurs vivants, 0% cadavérique. C'est pour ça qu'au Japon, la chirurgie est extraordinaire parce qu'il faut optimaliser uniquement le donneur vivant. Alors, Yvon Le Branchon l'a rappelé, donc on commençait par donneur décédé, après les modalités, etc. Maintenant, on change le paradigme. C'est d'abord, est-ce que vous avez un donneur vivant? Et c'est là où on n'est pas égal. C'est-à-dire que quand on a une grande fratrie, on a plus de chance. Quand on est comme moi, groupe sanguin A, je suis A2, B12, DR4, DR7. Dans cette salle, la moitié des gens ici qui vont se tuer en voiture ce soir pour me donner un organe. Si j'étais O et si j'étais HLA28, j'aurais moins de chance, mais bon, j'ai donc cette possibilité-là d'avoir tous ces donneurs dans cette salle. Un certain soir, j'ai pas encore donné. Sur un plan aussi pratique, comme vous voyez, la première intention, ça doit être en fait préemptive à l'épuration extra-rénale, avec l'élargissement du sac de potentiel et donc croisé la désensibilisation Yvon et Christophe l'ont rappelé. Et puis deuxièmement, le problème des donneurs décédés, en fait là encore,
Je rappelle que l'Académie était porteuse avec Jean-Pierre Scotti et puis bien sûr Lionel Esselet, député Jean-Louis Touraine, de l'amendement 46 terres que l'Académie a porté, qui tout simplement revenait à la loi qu'il y avait en 1976, c'est-à-dire la capacité de dire que tout le monde est donneur, tout le monde est receveur, sauf quand c'est exprimé dans un registre de refus, avec le problème de coordination locale, le problème de l'effort d'auréat, les greffes aux limites, les campagnes pour le don. C'est très important ces campagnes pour le don. Alors, est-ce qu'on est en fait à égalité avec en fait l'association DCD plus DVA? Pas du tout. En effet, l'agent du cercle familial est relativement réduit, le groupe sanguin, les B attendent beaucoup plus que les autres, les O attendent beaucoup. On est donneur quand on est O, universel, on est receveur que de O. Donc on n'est effectivement pas égaux, les anticorps anti-HLA, les dames, ont des grossesses, les anticorps anti-HLA, donc elles sont défavorisées par rapport aux hommes, l'âge, les facteurs d'accès à la greffe, les multitransplantations, est-ce que les deuxièmes, troisièmes transplantations sont prioritaires ou pas, la durée d'obturation extra-rénale. Et bien sûr les conséquences, c'est les morts sur les attentes, c'est-à-dire plus on attend, plus on peut mourir sur les attentes. Donc une équité, et d'autre part, le fait d'attendre longtemps fait qu'on va être en contre-indication définitive. Alors ce que j'ai vu moi cet après-midi, dans tous les gens qui ont parlé, c'est qu'il y a en fait une espèce de sécurité. En effet, avec l'évolution législative, des lois, des équipes de transplantation, des équipes de réanimation, etc., en fait on a maintenant une sécurité médicale pour le donneur, et ça Yvon l'a bien rappelé, pour le receveur, Christophe l'a bien rappelé. Il y aura une grande sécurité. Souvenez-vous, quand on a commencé en transplantation il y a bien longtemps, la mortalité c'était 20%, maintenant on est à moins de 4%. Sécurité chirurgicale, Benoît l'a rappelé, maintenant avec le robot, une nouvelle technique, une très grande sécurité chirurgicale, et la chance de mourir, c'est 1 sur 40 000 pour un donneur, c'est la même chance que j'ai en posant ma voiture, un champ parisien pendant 2 heures sur le périphérique avec des 38 tonnes, plus, pas moins. D'autre part, il y a une grande sécurité immunologique, on a fait des progrès maintenant avec la cytométrie de flux, on peut analyser cellule à cellule, donc une amélioration importante pour recevoir le donneur. Et puis, il y a, et ça, Marie-France l'a rappelé, une sécurité psychologique et éthique receveur-donneur. En effet, on le sait maintenant, les lois ont changé, etc. Et cette sécurité juridique, elle est donnée par 3 systèmes. D'abord, ce que j'ai connu dans le temps, que beaucoup de gens ont connu, France Transplant, Bernard a bien connu ça. Puis ensuite, en 1994, l'établissement français des greffes avait créé Didier Houssin, membre de cette compagnie. Puis enfin, l'agence de médecine, qui est une agence d'État. Alors, vous avez une de plus, en France, on est l'agence d'État, 1255. Le pays au monde, il y a plus d'agences d'État. Mais en fait, pour nous, elle est très importante, parce qu'elle donne une sécurité juridique et administrative importante pour un geste qui est quand même assez dangereux sur le plan de l'éthique personnelle et sur le plan de l'éthique collective. Donc je pense que ça, c'était un grand facteur d'amélioration, de sécurité pour les équipes, à la fois ceux qui portent des donneurs et des receveurs. Alors, je crois que cette journée était extrêmement intéressante, importante, et puis donc c'est dans cette sécurité. Et puis je voudrais juste terminer par une chose, parce que j'ai eu la chance de connaître une bête, qui est M. Jonas Lemou, qui faisait 119 kg pour 1m96. Donc oui, moi je lui fais une rampe, je fais 1m83 pour 68 kg. Et en fait, il venait d'être transplanté depuis un mois, et j'ai bien réussi à lui mettre un maillot qui s'appelle La vie retrouvée, donneur de nous. C'est Jonas Lemou. Vous savez que c'est le plus grand ailier de tous les temps, All Black, qui a marqué des milliers d'essais. Vous voyez qu'il a mis un bonnet, je ne sais pas très bien pourquoi, et il avait été transplanté. Et quand on regarde qui l'avait transplanté, c'est une journaliste qui le voyait sur un terrain avec 500 microgrammes de créatinine arcanée, capable de courir, et elle lui a donné son rein. Donc une journaliste qui était intéressée plutôt par sexe sans scandale, est tout d'un coup devenue donneuse d'organes, et ça permet à Jonas Lemou de revivre et surtout de jouer avec l'équipe de Marseille, où il a remis 80 essais. Donc pour vous dire que de temps en temps, la transplantation, c'est un des succès absolument extraordinaires de ce cher monsieur, donc totalement réinséré, malheureusement, qui est mort l'année dernière d'un arrêt cardiaque, pendant son accident coronarien aigu. Mais il faut dire que cette masse importante, moi je oui, la différence hein, entre lui et moi, c'est vraiment significatif. Donc pour vous dire que la transplantation, ça marche très bien, on l'a répété à la fois sur le plan humain, sur tous les plans possibles et imaginables, il faut l'aider. Effectivement, les donneurs vivants, on ne peut pas aller plus loin que la cadre légale, mais là par exemple, ce n'était pas un cadre légal français, c'est une transplantation qui a lieu à Wellington, sur ce qu'on appelle émotionnellement relaté, hein, en Nouvelle-Zélande. Et puis d'autre part, il faut optimiser absolument la transplantation, bien sûr, le plan. Et puis il y a un échec.
Dans la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est là, le grand échec, c'est l'accès. On nous avait dit pendant des années que les cochons transgéniques allaient venir combler ce déficit-là. Notre ami Soulilou à Nantes avait acheté beaucoup de cochons, avant il fait beaucoup de boudin avec, mais pour vous dire que simplement, pour le moment, il n'y a toujours pas eu de don de rein, de cochon, ou de foie, ou de cœur, capable de le faire. J'espère en fond. Car la dernière chose, c'est les idées régénératives, c'est maintenant que, à partir d'un scaffold, repopulationner pour obtenir un cœur fonctionnel. C'est l'espoir pour tous ces malades en attente de transplantation. Merci beaucoup de votre. Merci Bernard pour ce feu d'artifice final. Mon cher président. Alors, je crois qu'on a une séance extrêmement intéressante et à en voir le nombre de questions qui a afflué de tous les côtés. Je voudrais donc remercier l'Académie de médecine de nous avoir reçus une fois de plus et j'espère que l'année prochaine nous pourrons réitérer sur un autre sujet pour le futur. Et donc, je vous remercie tous de votre participation. Et je vous remercie les orateurs qui ont été absolument excellents. Quand même, bravo, merci.